aujourd'hui sur la plage de Montpellier, au sud-est de l'Égorise, pour parler d'un événement qui ne se produit qu'une seule fois dans l'année, la reproduction des coraux. Les coraux pondent des œufs à une période bien précise de l'année. Ici, c'est en fin d'octobre, quand la température de l'eau. Le corail est constitué d'une colonie de polypes qui participent à la fabrication de son squelette. C'est l'élément vivant du corail. Les polypes libèrent des millions de petites billes multicolores. C'est une reproduction de masse et c'est un spectacle extraordinaire. Ici, comme vous pouvez le voir, la mer est devenue toute rose. Ces billes, libérées par des polypes, sont des cellules sexuelles ou des œufs. C'est une véritable marée d'œufs et de larves. C'est un formidable festin pour les poissons qui se régalent de cette nourriture abondante. Si elles survivent, les larves vont se laisser porter par les courants pendant plusieurs jours, voire quelques mois. Certaines larves arrivent finalement à trouver un support solide comme de la roche ou un morceau de squelette corallien.